Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Un peu de calme dans la salle, s'il vous plaît. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Député Hippolyte. Député Hippolyte, s'il vous plaît, rasseyez-vous. Merci. Merci beaucoup. Collègues sénateurs, collègues députés, un peu de calme, s'il vous plaît, dans la salle. Député Alfredo, rasseyez-vous, s'il vous plaît. Député Tertius. Député Profane, rasseyez-vous, s'il vous plaît. Un peu de calme. Député Luméran. Député Luméran. Député Profane, s'il vous plaît. Député Profane. Député Profane, dernier appel à l'ordre. Député Profane. Député Louchard. Député sénateur Louchard. Merci. Non. S'il vous plaît, député Sinal. Député Sinal, s'il vous plaît. Non. Habitué avec qualité ambiance dans l'Assemblée parlementaire. Et non, Assemblée parlementaire, nous pas quitter mouette l'eau. Dans l'Assemblée parlementaire, nous tous comprenons que son assemblée mosaïque, chaque acteur qu'il a, il y a un pion par qui a déplacé. Et c'est eux-mêmes seuls qui connaissent qui pion doit déplacer et à qui moment il doit déplacer. Il revient au bureau. Et plus particulièrement, le président qui gagne la charge pour le diriger et conduire séance, pour lui faire en toutes circonstances faire preuve de calme, de sérénité et de compréhension de chaque parlementaire et d'équilibre, de juste équilibre, en tout lieu et en toutes circonstances. Parce que là, ici, comme président de l'Assemblée nationale, je ne suis pas président ni groupe majoritaire, ni groupe minoritaire. Et si minorité n'a pas existé, majorité n'a pas plat. Et vice-versa. Il faut qu'il y ait équilibre là. C'est le jeu de contradiction qui toujours gagne dans l'Assemblée politique. On a précisé. À l'arrêté présidentiel, à la publication de l'arrêté présidentiel, gain qui changeait gouvernement, gain 5 nouveaux ministres qui intégraient gouvernement. Le Sénat de la République, formellement, a adressé une correspondance par le chef de gouvernement qui est responsable devant nous. Ainsi que le bureau de la Chambre des députés, à la demande d'un groupe de députés, était adressé même correspondance à tout. Ça a pris du temps, et ce n'est que ce matin, à mon niveau, à la Chambre des députés, ce n'est que hier, que dimanche, que correspondance ça, l'irrivé, avec bien sûr les dossiers de toutes 5 munitions.
Cela voudrait dire en des termes clairs, pour tout sénateur qui se respecte, pour tout député qui se respecte, il n'y a pas gagné le temps suffisant d'analyse de documents ça qui arrivaient devant eux. Aucun problème jusque-là. Beaucoup ouais. Et sur cette base, nous croyons que l'île de bon ton, et je dirais même très sage, que nous t'a autorisé Premier ministre pour seulement transmettre nos documents bilan sans que les papes autorisés qu'avait tribunal pour lui faire bilan tant que Jean Constitution exige. En attendant que nous prenions connaissance de tous les documents et autres qui déposaient dossiers ministres, vu que nous avons une atmosphère qui est capable de prêter à équivoque et qui n'est pas créé une ambiance normale pour que tout ça fait, nous avons seulement pris connaissance de bilan, nous avons fait les dépôts documents, nous avons recevoir les. Chaque sénateur, chaque député a des documents, c'est le bilan, et nous avons permis que nous passer à l'autre point, ordre du jour. Non, si vous permettez, moi, sénateur Luméran, sénateur député Luméran, si vous permettez, moi, vous connaissez, s'il vous plaît, sénateur député Luméran, je ne souhaite pas que moi, déranger l'ordre que nous avons commencé là. Si vous permettez, moi, m'a autorisé vous, venez joindre le bureau pour partager ça ensemble avec lui et puis la transmettre information pour vous. Mais permettre vous faire là, nous connaissons que c'est une dérogation à Régio. On ne pas faire dérogation à Régio parce que, aussi bien que moi-même, ou son ancien, qui connaît. Est-ce qu'on permet moi ça ou bien on fait un crédit ça pour je dire? Depuis nous faire lire ou qu'on son dérogation avec eux et à la Constitution. Permettre que vous venez partager avec moi et ma PFM et écho de. À cette phase des débats, et c'est toujours une situation difficile, ça, qu'un dirigeant doit faire face à lui, il faut le trancher. Autant que le pas trancher, c'est autant de fois que l'a pas faibli et tête et institution. Je vous dis, m'a suffisamment courageux pour me demander le sénateur Roux, Dieu donne. Et le sénateur Benoît Laguerre de bien vouloir raccompagner le chef de gouvernement et les ministres au salon diplomatique. En attendant, le Premier ministre est invité à me transmettre le bilan de ses activités pour l'exercice en question. Symboliquement. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, chers membres du bureau, chers parlementaires, il me revient l'honneur de faire le dépôt du bilan des activités du gouvernement de la République pour la période allant de janvier 2018 à mai 2018. Le bureau vous en donne acte. Merci.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Prochain point à l'ordre du jour. Prochain point à l'ordre du jour. Fermeture de la séance en Assemblée nationale. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare levée la séance en Assemblée nationale.